When talking about the supporting of the rural areas, we're talking about different fields of interventions. It's not only agriculture and not only irrigation, but there is health, education, road constructions, various issues that is related to the small farmer. It's part of our program activities, actually, is to teach the farmers, the women farmers, how to create their own jobs. We are teaching them now how to create like small activities based on agriculture, like food processing. They are collecting their crops and build on that and do some processing on that. That's generating income for the small farmers. Also for including the some technologies in relations to the welfare. So if the woman, the farmer as a woman, she has like a cattle or a sheep, we are teaching her new approaches. She might be able to manufacture some cheese at home or yogurt, whatever activities that bring her more incomes. The information knowledge collection and dissemination is important, and I think that creating the possibility of the information centers related to climate change or food security, and taking this information to the farmer through an effective extension service is very important. Extension has been degraded a long time ago in Egypt, and it is about time to upgrade the extension service, both by increasing the capacity of the human elements in the section, as well as improving the materials and methods of utilizing the information for advising the growers. It's very important to give value for the civil society organization work, because we are very close to the people. We are within the communities. We live with them. So from my point of view, governments, the European Union, the international community has to give a very important value for the civil society organizations, because we can help in creating the membership based organizations from the targeted people themselves. We can organize them, we can empower them. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faudrait apporter la démarche surtout. Et notamment, j'insisterai là-dessus, s'il fallait une idée forte que nous soutenons, c'est que nous attendons l'Europe sur ce partage dans la construction des politiques publiques entre société civile, monde agricole et décideurs politiques. Ça crée une synergie parce qu'on se rend compte qu'on a des problématiques communes, même si elles sont à des échelles totalement différentes, vu que Maroc et Algérie et la Tunisie, on ne peut pas comparer au niveau volume, mais nous avons effectivement des problématiques communes sur lesquelles on pourrait réagir de manière commune, et non pas réagir uniquement, mais agir. C'est-à-dire, si on arrivait à s'entendre et à créer une dynamique, même sur des niches de produits comme par exemple l'exploitation des forêts, les huiles essentielles, des choses qui pourraient être plus dans l'air du temps et qui pourraient convenir, parce que tout le problème est un problème de marché. Les gens voudraient bien rester dans leur région s'ils savaient comment écouler leurs produits, comment le transformer éventuellement. Au niveau de l'humain, on vient d'initier une étude sur l'harmonisation des politiques agricoles dans les pays agricoles et ruraux au niveau des pays maghrébins. Et cette étude-là, on l'a initiée avec l'aide de la FAO. Et aussi, il y a une partie de l'étude qui concerne l'intégration de l'intégration régionale. Il concernera principalement le rapprochement, si vous voulez, entre les différents instituts étatiques, para-étatiques, privés et publics. Et je suis convaincue que le rapprochement entre le projet NPARDRE et le projet que nous avons avec la FAO, que nous allons commencer, qui vraiment sera une très bonne chose pour la réussite de notre étude et pour la pertinence de notre étude, parce que ce rapprochement, il va... Et il est d'une part à créer, si vous voulez, des réseaux de communication
qui seront la base et qui constitueront la base d'un échange d'informations et d'une coordination très, très utile pour nous et pour, et je crois aussi pour vous. Merci. NPART, in a way, is an offer. It's not something that in any way we would like to impose, and it's not ready-made. It's something that you can use and adapt to the reality and to the priorities that you establish in your countries. We are in your hands on this. If you consider this or that area important, then there are examples for cooperation in this context, and we certainly will find possibilities to frame this into some sort of cooperation framework that we would like then to give the form of a program or a project. Maintenant, il faut que donc la société civile et les institutionnels arrivent à se mettre d'accord pour proposer, dire voilà, tel projet, ce qui pourrait être fait. Et c'est à nous aussi d'avoir une espèce d'émulation et de réunir, de savoir travailler en interne chez nous à notre tour et de pour pouvoir continuer dans cette dynamique. Et de telle sorte qu'après il y ait 2020-2028 et ainsi de suite. Alors, je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots, on a besoin d'espoir et de passion actuellement. Et là, le germe y est.